Hey, yo tout le monde, c'est Fluffy, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur ATNL version Poudlard. Et oui, ça fait très longtemps que je vous en ai pas sorti, mais ce n'est pas pour faire des modifications aujourd'hui que je vous réunis sur ATNL version Poudlard. Vous pouvez admirer d'ailleurs le nouveau layout magnifique, hein, et la nouvelle peut-être qualité du son qui est meilleure et la qualité vidéo qui est meilleure. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je suis toute oui. Donc aujourd'hui on ne va strictement rien faire sur ATNL version Poudlard, c'est tout simplement pour vous montrer ce que j'ai fait comme changement et vous parler un petit peu de la série. Donc aujourd'hui je vous fais un épisode de présentation de ce qui va se passer, de ce qui a changé, des projets qu'on va avoir dans Poudlard. Hein. Donc un épisode pas très très long parce que je n'ai pas le temps de filmer, mais je n'aime pas laisser la chaîne sans vidéo pendant une semaine. Hein. Donc vidéo assez courte. Donc tout simplement pour vous dire que Poudlard va reprendre un rythme. Hein. Je pense qu'il y en aura un par semaine, hein, ou un toutes les deux semaines, enfin toutes les une semaine et demie. Je vais vraiment essayer de maintenir un rythme assez conséquent pour Poudlard parce que c'est la série qui, je vois, vous fait énormément plaisir sur ma chaîne. Donc voilà, c'est cool. Donc j'ai fait ce petit chemin depuis la dernière fois, un petit chemin pas secret, mais sympathique. Hein. Il y a des bugs de luminosité, il y a des moments où la luminosité est trop belle et genre il y a des moments où la luminosité est trop dégueulasse sur la vidéo, enfin bref. C'était un test, hein. Donc là, c'est le petit motif qui va indiquer que la forêt interdite est par ici. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme modification depuis la dernière fois? J'ai récupéré plein de dons de la part de mes abonnés, donc je vous fais à tous un gros bisou, un gros merci à vous, vous m'avez beaucoup aidé. Hein. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous m'avez aidé. Hein. Voilà, si vous m'avez donné des choses. Hein. Donc, pour ça d'ailleurs je fais des annonces sur ma page Fluffy Life officielle quand j'ai besoin de choses. Donc le petit journal qui est posé ici, c'est tout simplement pour faire référence au journal de Géduzor qui est perdu et que la petite sœur de Ron trouve. Donc dans la forêt interdite j'ai posé des champignons comme vous pouvez le voir, hein, tout simplement. J'ai fait quelques petites modifications dans la maison de Géduzor, donc on va tout de suite s'y rendre. Hein. C'est super loin. Sinon, ce que je voulais vous dire, hein, c'est que nous allons installer dans Poudlard, j'ai eu quelques petites idées, hein, dans Poudlard, nous allons pas seulement nous limiter finalement à comment dire, hein, à Harry Potter et la coupe de feu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les trois étapes, hein, le tournoi des trois sorciers au sein de notre, hein, série Poudlard. Donc la première étape qui est avec l'œuf, donc je mettrai un œuf de Pâques à trouver. La première étape qui fera référence à l'étape des dragons. La deuxième étape qui est l'étape de l'eau, donc avec les trucs et je sais plus ce qu'il faut faire dans cette étape. L'étape de l'eau, oui, où il faut sauver... nos coéquipiers, donc je mettrai tout simplement un panneau devant un lac, hein, avec étape de l'eau, enfin son nom. Et le labyrinthe, donc on fera un grand labyrinthe en buisson pour faire l'étape numéro 3. J'ai pensé à faire un Quidditch, un terrain de Quidditch derrière Poudlard, hein, à faire un chemin de traverse, à essayer de faire un petit panneau avec Aragog, une araignée pour représenter Aragog. Hein. J'ai rajouté le petit chaudron ici. Qui fait tout simplement référence à quand ils sont dans les toilettes, à la potion de polynectar, hein, qu'ils préparent, hein, pour que Harry soit plus grand et puisse participer au tournoi des trois sorciers. Hein. Alors, j'ai rajouté dans cette salle, hein, comme vous pouvez le voir, hein, un journal ici, qui fait référence au journal de Géduzor quand on retrouve la sœur de Ron, hein, allongée au sol, hein, complètement inconsciente. Hein. Qu'est-ce que nous allons faire dans Poudlard aussi, hein? Ah oui, dans Poudlard en lui-même, la maison de Poudlard, on va passer devant tout simplement. Je vais vous montrer. Eh bien, je compte faire un hôpital. Hein, un hôpital qui représentera les pétrifiés. Oui, parce que vous savez très bien, voilà, devant Poudlard qui sera ici. Et donc du coup le tournoi de Quidditch qui sera par là. Enfin, si les habitants veulent bien se daigner de partir. Hein. Donc un hôpital pour représenter tout simplement les pétrifiés, parce que vous savez très bien que quand
que lorsque l'on regarde le basilic, les personnes sont pétrifiées, enfin quand on ne le regarde pas par soi-même, mais à travers un objet. Et bien du coup, nous sommes pétrifiés. Donc je compte représenter l'hôpital des pétrifiés. Donc en même temps que je vous parle, je vais quand même continuer le chemin. Hop! Je pense que la prochaine fois, nous ferons tout simplement, si je vous dis pas de bêtises, hein, je pense qu'on fera l'hôpital, hein, le truc des pétrifiés, le truc des pétrifiés, non, la chambre des pétrifiés. Notre motif Ollivander est toujours ici. Donc je pense prendre ce lac-là pour faire la première étape, avec un panneau devant signalant première étape. Ici, je mettrai la deuxième étape avec un œuf, hein. Et ensuite, la troisième étape sera tout simplement représentée par un labyrinthe qui partira d'ici et ira jusqu'à tout en bas. Ok. Coucou, Rouge Pif, tu veux pas nous aider? Non? Ok, salut, merci, tu es très gentil. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, je crois bien. Oui, on se tâtera à faire le motif aussi de la forêt interdite. Je raconte tellement de choses qu'à la fin je ne sais même plus ce que je raconte et donc du coup je bug. J'avais fait ça, je crois que je vous l'avais pas montré en vidéo, ce petit chemin. Non, non, je crois que je vous l'avais pas montré, hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et puis nous, on va se laisser avec la maison d'Hagrid parce qu'il me semble que j'ai fait des petits changements à l'intérieur. En fait. Ouais, non. En fait, j'ai pas fait de changement. Donc voilà, j'espère que cet épisode tout court vous aura plu. C'était simplement pour vous signaler qu'il y a toujours de l'activité sur la chaîne. Hein. Que non, je ne vous oublie pas. Et que voilà, pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui va se passer pour Poudlard. Hein. Et en tout cas, moi je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur ACNL version Poudlard. Allez, ciao tout le monde, bye bye, c'était Fluffy.